Oh la triple shot! Quatrième! Quatrième! Oh dommage! Ah cette petite action, dommage qu'il y ait pas un peu plus l'ennemi le quatrième qui arrive pas comme ça, mais bref! Hey, salut à tous, c'est Skyros, comment ça va? Bienvenue aujourd'hui les amis pour une nouvelle vidéo, un nouveau gameplay sur Call of Duty Modern Warfare, et cette fois-ci avec ma petite arme coup de cœur, ma petite arme préférée du moment, le Kar 98. Et c'est une arme qui n'est pas forcément facile pour tout le monde, parce que c'est une arme qui demande de la précision pour avoir de l'efficacité. Malheureusement, si tu n'es pas précis, bah tu vas avoir beaucoup d'hitmarkers, et bah quand tu fais hitmarker, tu sais que généralement t'es à peu près mort. Sur l'arme, on a énormément d'accessoires, énormément de lunettes, de visées, comme toutes les armes d'ailleurs, t'en as 750, tu te demandes pourquoi, mais bon, comme on dit, qui peut le plus peut le moins, donc c'est mieux d'avoir plus que pas assez. Et par défaut, l'arme est à la mire, elle est excellente à la mire, elle est géniale, elle est vraiment kiffante. Ça fait des années qu'on n'a pas eu un sniper à la mire aussi kiffant que le Kar 98 sur Modern Warfare. On va aller en QG, de toute façon, il n'y a pas beaucoup de choix. T'as trois modes de jeu, match à mort, domination, QG, parce que la recherche et destruction, c'est pas trop mon style. Pour moi, le QG, c'est un petit peu le meilleur mode du jeu qu'on a actuellement. Si tu vas en match à mort, bah, y a que des campeurs. Bon, ça les mecs, et tu te demandes pourquoi. T'es là, tu respawn, tu marches la moitié de la map, t'arrives, tu te fais buter par un mec à la fenêtre, tu dis toi prochaine, je fais t'avoir. T'arrives, tu respawn, tu refais la moitié de la map, tu retournes là où il était, mais c'est les campeurs qui réfléchissent, il a changé de côté et hop, il te tue. Domination, ça peut être bien, mais malheureusement, à certains moments dans la domination, t'as l'impression que tu fais point A, point C, point A, point C, point A, point C, point A, point C. Et là, tu fais bon, ça va un petit peu saouler. Vraiment, le QG, c'est le meilleur mode de jeu si tu veux t'amuser. Après, il y a de la camp, mais de la camp de jeu d'objectif, ce qui est un petit peu normal. Eh, c'est parti les amis, que le massacre commence. L'objectif, vous le connaissez, tous les hommes à outer. QG sur Piccadilly. Autant Piccadilly, ça va, en QG, ça peut le faire. C'est une map que quand tu la vois, tu te dis, ouais, elle est trop stylée et tout, on est dans Londres et tout, c'est trop classe. Mais en vrai, quand tu la joues en match à mort ou en domination, tu fais comme, ah ouais, d'accord, en fait, ouais, bon, pas ouf, hein, pas ouf. Hein. Finissez-le. De toute façon, là, ça vient de commencer. Le QG, il est à l'intérieur, on le sait. Attendez. Bon bah voilà, petit enchaînement de deux qui fait plaisir. Chute de merde. C'était le drone. Oh putain, le chute de merde, je suis désolé. Hein. Alors juste par contre, il faudra que j'y récupère des... Ouais, je récupère des munitions sur un cadavre parce que là, il n'y a plus beaucoup de balles. Attention, le drone n'a plus de carburant. Retour à la base pour ravitaillement. Oh shit! Malheureusement, en visant, ma sensibilité est trop basse et quand le mec courait à proximité, j'ai eu du mal à le suivre et derrière, je me suis fait avoir. Bon, c'est pas grave. Un petit enchaînement au début de 6 frags. Bon, voilà, c'était pas exceptionnel, mais au moins, c'est histoire de se mettre dans le bain. Shit! Dommage. Le petit marqueur, c'est ça le truc avec le Kar, c'est que c'est une arme qui vise vite, c'est une arme qui a une bonne cadence. Merde, pourquoi tu parles avec tes mains? Les respawns sont pourris. Ils vont être patchés, hein, ça a été dit. Hein. Ils vont patcher les clés morts, ils vont patcher les bruits de pas, ils vont patcher les respawns. Ils sont au courant, c'est un petit peu la merde. Et là, je respawn en plus plein dessus, là. Donc, Mais c'est un petit peu, on va dire, le bémol qu'on a sur MW, c'est que les snipers, ils visent quand même assez lentement. Il faut l'équiper full accessoire pour arriver à que ça vise vite. Encore faut-il les débloquer, les accessoires. Je suis perdu là, on va où? L'avantage avec le Kar, c'est que même sans accessoire, l'arme vise vite. Et quand on rajoute, bah forcément, c'est quand même un petit peu mieux. Donc, avec un peu de pratique, un peu d'entraînement, c'est une arme si tu arrives à bien la manier. Vraiment, vraiment très très kiffante. Est-ce que ça respawn là? En tout cas, mais les autres, je sais pas. Merde. Pas bien suivi. Ah, comme par hasard, hein! Voilà. Là, je me barre. Hop, 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 on va dans le bâtiment. On passe. J'ai cru voir un gars, mais non. Si, si. Si, si, il y avait un gars. Il y a un autre gars derrière ou pas? Si. Vas-y, viens là. Il, y a pas. Il va venir derrière en plus, mais. On est en tête. L'ennemi tente de neutraliser notre QG. Ah
savait qu'il y avait un mec arrivé derrière. Il a pris son temps, tu vois, il était en train de regarder chaque coin, là, il était en train de regarder le décor en disant qu'est-ce qui se passe par-ci, par-là. Eh, je vais t'aider un petit peu, mon pote. Vous savez sauver Goat machin. Je vais pas sauver, je vais voler son frog. Rien à voir. C'est chiant ce truc dans la barre des fils, je trouve que ça sert tellement à rien. Allez, boum. Headshot. Quand tu claques des petits headshots comme ça, ça fait plaisir. C'est juste. Les bruits des headshots, je pense que ça pourrait être mieux, quoi. Y'a pas de bruit particulier pour les headshots, quoi. C'est un peu dommage, je trouve. Neutralisation du QG. Y'a plus personne en face, ouais. Je vais aller récupérer des petites. Des petits sacs. Pour avoir des munitions. L'ennemi a déjà fait la moitié du boulot. Ouais, mais t'inquiète pas, on va la gagner la game. On va la gagner la game, t'inquiète pas. Y'a un autre derrière, hein. Merde. Allez, recharge-moi ça. Le QG est derrière nous. Voilà. Voilà, copain. On balance le drone. Nouveau chargeur. Gardez-en, le contrôle le plus longtemps possible. Attention, le drone n'a plus de carburant. Drone allié dans les airs. Balayage radar en cours. Un ennemi. Je me fais tirer dessus. Voilà une flash lancée. Non, la flash, elle met 15 ans à décommer là. Et le QG, ah, le QG il est en bas. Oh, t'es pas sérieux. Drone ennemi au-dessus. Ouais. Dommage. Ah non, il en reste un quand même, c'est pas tous morts. Il doit être dans le coin, il attend qu'une chose, c'est qu'on sort du QG pour nous tuer. Ah, regarde, regarde. Non, il y avait une coiffure, une coiffure. Oula, je sais pas les popettes. Ah, dommage. Ah, c'est ouf, hein, quand même. Dommage, il y avait les 4, là, il y avait de quoi faire une petite coiffure. Mais là, c'est pas grave. T'as un petit 2 kills comme ça, c'est toujours plaisant, c'est la petite adrénaline, quand même, ça fait plaisir. Bon, après, c'est vrai que le car, bon, c'est kiffant, moi, j'aime beaucoup, hein. Mais bon, faut admettre, hein, quand tu te retrouves face aux mecs qui sont avec les M4, les MP5 et les SCAR, t'es pas du tout compétitif, quoi. Vraiment, c'est, tu l'utilises pour le kiff. Mais c'est ce que je dis toujours, c'est pas une question de quelle est l'arme la plus efficace, c'est une question de, bah, de kiffer les gameplay, quoi. Allez, on le prend. Drone allié dans les airs. Balayage radar en cours. Super. On a sécurisé. Let's go. On tient bien le fusil. Bouge, bouge, bouge. Présence ennemie au QG. Défendez-le. On a repris l'avantage, ça c'est bon. Prochain QG dans 10 secondes. Tenez-vous prêts. Ils sont alliés dans la zone. On commence la recherche. Prochain QG, c'est celui qui gagne. On peut le faire. On peut avoir la victoire. On doit le faire. Adav Ali en plus, ça va nous aider. Hein. Je te balance un petit drone. Eh, hey, écoute, un mec AFK, on en profite. Je vais mettre l'insertion ici. Ils sont déjà sur le QG. Hein. Merde. Attention, c'est bon, c'est bon. Ça va le faire. Ça va le faire, mon pote. On a le QG. On a sécurisé le QG. Ah, j'ai plus de balles. Si, non. Avec la dave en plus dehors. Come on, come on, come on, yes. La victoire. Bon, 34 frags, j'essaie de faire au mieux possible avec mon petit car 98. Mais bah écoute, je me suis bien amusé, la game était bonne. Bon, j'ai encore un petit peu de mal à bien maîtriser les jeux, à trouver mon bon petit gameplay. Et c'était toujours un petit peu compliqué des fois quand t'es au car 98 comme ça dans les combats rapprochés face aux mecs qui ont les MP5, les M4, les SCAR, SCS1.
mais je pense que je m'en suis quand même pas trop mal démerdé. Et en tout cas, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez passé un moment. Vous savez que c'est tout le bien évidemment. N'hésitez pas à donner votre avis par rapport à l'arme, au gameplay, la vidéo, le jeu, bref, tout ce que vous voulez. En dessous de la vidéo par commentaire si vous avez kiffé et que vous voulez faire plaisir. Maximum de pouces bleus, de likes, c'est plaisir, c'est la récompense. Merci à tous d'avoir aidé. Je vous souhaite une excellente journée, que du bonheur, que bonne chose. Et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, bye bye.